Bon, ça doit être la salle centrale. Waouh ! J'avais jamais vu rien de tel, jamais. Maintenant, selon mon père, il faut passer par ces trois portes afin de pouvoir récupérer l'eau. En mettant du poids sur les plateaux, on ouvrira les portes. C'est la première. Et voilà. Il y a deux plateaux dans cette salle. On va devoir s'y mettre à deux pour faire couler l'eau. Je reste ici pour la recueillir. Tu dois monter sur celui-ci. Voilà, c'est exactement ça. Oh oui, je sens que ça devient de plus en plus lourd. Mais bon, c'est bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Par moments, c'est plus dur, mais ça va. J'espère qu'ils trouveront quelqu'un d'autre la prochaine fois. Remarque, je serais bien trop vieille à ce moment-là. Je suis sûrement tirée d'affaire. Tu sais, ça va probablement être le point culminant de ma carrière. Le jour où j'ai porté une urne dans une grotte. À peine de quoi en faire un poème épique, pas vrai? Tu n'as rien entendu? Non, ça doit être mon imagination. Bon, j'imagine que c'est toute l'eau qu'on aura avec celui-ci. N'avait aucune chance. Tu en as déjà combattu? On dirait bien que oui. Ou alors ça veut dire que tu apprends très vite. Je ne vois pas de volute. Et aucun homme creux ne nous a suivis. On devrait être à l'abri ici. Super. Deuxième porte, deuxième couteau.
Bon, voilà la suivante. Je vais près de la fontaine pour recueillir l'eau, comme tout à l'heure. Ah, génial. Il faut attendre que ce truc arrête de couler. Ils auraient pu faire une urne avec un fond plat au cas où on voudrait faire une pause. Mais vu comment elle est faite, elle se renverserait. Et on ferait quoi alors ? Oh merde, les voilà ! Quand on leur tirerait dessus. Ça leur apprendra à résister. Centrale. Il ne doit rester qu'une seule salle. On a donc presque fini. C'est souvent dans ces moments-là qu'il y a des mauvaises surprises. Sois prudente. C'était quoi ? Es-tu prête pour ce machin-là ? Hé, où est-ce que... Hé, reviens ! On ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Tu crois qu'il va bien ? Ok, là je commence vraiment à m'inquiéter. T'as trouvé quoi ? Bah, c'est vraiment écœurant. Oh non, mais c'est bien de l'avoir attaqué. Qui c'est le bon toutou ? Qui décapite les hommes creux ? C'est qui ? C'est toi le chien ? C'est un sacré compagnon que tu as là. Mais bon, je ne veux plus qu'il me lèche. On y va ?
C'est un chaos. Ouais. T'as fait un carnage. Ouh, j'ai eu un peu peur à un moment. À plusieurs moments, en fait. Je te remercie. C'était super. Allez, on continue. Voilà. C'est la dernière salle. On devrait presque y être. Je sais, je l'ai déjà dit, mais j'espère que c'est vrai cette fois. Je crois que c'est le dernier plateau, là-bas. Lumière, bénissez cette eau, que nous puissions avec elle engendrer une toute nouvelle vie. Quand une vie s'élève, nous aussi. Sœur Anna. Frère Robin, qu'y a-t-il ? C'est ton père, un des hommes de Lucien. Il le retient en otage au temple. Il a un pistolet. Je dois sauver mon père. Allez, on doit aller au temple. Tu dois la suivre. L'un des hommes de Lucien est entré dans le temple.
vient. C'est un sbire de Lucien. Tu viens avec moi ou il meurt. Là, tu rêves. Lâche-le tout de suite, sinon je te casse en deux. Non! Ne m'oblige pas à te tuer aussi. Belle, j'aurais pu l'en empêcher. Quelle idiote! Quel imbécile! J'aurais pu l'arrêter avant que... Je regrette, père. Je ne regrette pas d'avoir renoncé à mon vœu, mais de l'avoir fait si tard. J'ai jamais été à ma place ici. On le savait, toi et moi. Lucien mourra pour ce qu'il t'a fait. Voilà quel est mon nouveau vœu. Je ne renoncerai pas à celui-ci. Sœur Anna, la bénédiction. Non, vas-y. Quand une vie s'élève... Nous aussi. Quand la graine retourne à la terre, nous tous aussi. Est-ce que c'est tout? Mon père est mort! Le chêne doré s'épanouit à nouveau. Et maintenant, la vie continue, c'est ça? Les autres moines le pensent peut-être, mais tes yeux se sont ouverts. Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Quelqu'un qui peut te donner des informations sur Lucien. Où il est, quels sont ses projets, comment prendre ta revanche, si tu le souhaites. Je veux absolument tout savoir. Alors viens avec moi, Sœur Anna. Appelle-moi Hammer. J'ai conduit Hammer à la guilde. Félicitations, héroïne. Tu as retrouvé le premier des trois héros. Nous avons franchi une nouvelle étape vers notre victoire contre Lucien. Il va falloir du temps à Hammer pour surmonter sa peine. Et encore plus pour comprendre son rôle dans la chute de Lucien. Tu devrais peut-être apporter des améliorations à ton équipement. Je crois qu'il y a des soldes à Bowerstone. Ça pourrait être intéressant d'aller y faire un tour. Reviens à la guilde quand tu seras prête. Thank you.
Te voici. Je crois que le deuxième héros, le mage, est à Brightwood. Garth, un puissant enchanteur, se trouve là-bas. Tu te souviens de ce nom ? Il était là le soir où Lucien a tué Rose. Tu ne me l'avais pas dit ? Comment est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Garth croyait que l'intérêt de Lucien pour l'ancien royaume était intellectuel, comme le sien. Lucien, de son côté, pensait que Garth n'était qu'un admirable érudit. Quand tous deux apprirent la vérité sur l'autre, leur collaboration prit fin, violemment. Tu trouveras Garth à la tour de Brightwood. J'ai eu une vision de lui travaillant sur une technologie ancienne. Il doit vouloir arrêter Lucien, mais ne pourra pas le faire sans aide. Va l'informer de nos intentions. Hammer, tu dois rester ici. Pourquoi ? Je suis prête ? Lucien cherche encore ses héros. Tu seras plus en sécurité ici. D'accord. Mais n'imagine pas me retenir quand il y aura de l'action. Mon père pensait que sa foi le protégerait du monde. Je ne referai pas la même erreur. Vas-y. Les hommes de Lucien attaquent. Tu dois sauver Garth.
camarade. Que vous me faites peur? Vous êtes un véritable monstre, une expérience ratée, rien de plus. Vous êtes parti trop tôt, Gart. L'expérience a été un franc succès. Vous venez avec moi. Tu ne pouvais rien y faire. C'était le commandant de Lucien. Apparemment, il a pris le contrôle d'un astre, une arme de l'ancien royaume, d'une puissance extraordinaire. La puissance de Lucien s'accroît de plus en plus, tout comme sa maîtrise de la flèche et de ses rouages maléfiques. Reviens à la guilde. J'aurais pu être utile après tout. Je savais que j'aurais dû venir. Nous ne pouvons laisser Gart aux mains de Lucien. Tu dois le tirer de là. Quand tu dis « là », c'est la flèche? On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce truc, ni comment y aller. Quelqu'un doit certainement savoir. Lorsque Lucien est parti pour la flèche, il a renvoyé ses employés. Jeeves, son majordome, passe la majeure partie de son temps au pub à vacher le corset. Son majordome? Je parie qu'il a vu des tonnes de trucs. Si ça signifie qu'il faut aller au pub, on devrait faire ce sacrifice. Cette tâche demande tact et délicatesse, des qualités qui te sont étrangères, Hammer. Pourquoi me regardes-tu ainsi? C'est le moment où tu dois dire pardon. Si vous êtes là pour me railler, vous le regretterez. Oh! Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, étrangère. Bienvenue à ma ferme. Il n'y a pas grand-chose qui pousse ici ces jours-ci. Ces animaux, l'éventreur et sa bande, ils cherchent à nous chasser depuis des mois. Moi, mon fils, ma femme. Je leur ai dit de se brosser. Alors ils sont revenus. Et ils l'ont tué. Ils ont tué ma femme devant moi. Vous savez ce que ça fait? J'ai envoyé mon fils à l'abri, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je me dois de faire. J'ai été garde pendant 30 ans et j'ai vu mon lot de bandits. Mais l'éventreur, ce fumier, est différent.
C'est un lâche, un boucher. Trouvez-le. Pitié, ramenez-le-moi. Mort ou vif, je m'en moque. Non, vivant, si vous pouvez. Je veux le regarder mourir. Merci. Merci. Souvenez-vous, il le faut vivant si possible. Ici, que je puisse te montrer ce qu'on a fait. Des bandits aujourd'hui. Bandit idiot! Alors là, t'as fait une erreur. Tu sais que les bons employés se font de plus en plus rares? Ah, je vais devoir te tuer moi-même.
morte en premier. Un, deux, trois... C'est... On aurait tiré un bon prix de la porte. Dommage. Elle était belle. Besoin d'entraînement. Mais tu vas pas me tuer, hein? Ça serait mal. Très mal. Je dois d'abord être jugé. Je ne l'oublierai pas. Et toi, je rêve de ce moment depuis que... Ne gonfle pas avec tes rêves, vieux garde. Tu vas payer, l'éventreur. Ouais, ouais. Amène-moi ton crétin de shérif. C'est pas comme si j'avais jamais été en tôle. Et ça me fera des vacances. Ah, je ne crois pas. Quoi? Non, c'était pas moi. C'est un de mes hommes. Où est l'aventurière? Parle-lui. Non, elle n'aurait pas voulu ça. Tu vas me suivre jusqu'à Bowerstone et tu y seras pendu. J'y veillerai personnellement. Tu es assez célèbre pour utiliser l'expression « envoyer un baiser ».
Ah, bienvenue, ma chère amie. Faites un don à notre temple et recevez la bénédiction de la lumière. Chacun de vos dons vous apportera sagesse et sérénité. Merci. Que la sagesse vous accompagne. D'abord la tour de Brightwood, et après, c'est nous qu'ils vont attaquer. Que la lumière vous guide. Éclairez-nous de votre sainte luminescence. Oh, travaillez la terre, loin du stress de la vie moderne. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas encore très célèbre. La lumière... qui brille ici n'est rien comparé à celle de l'autre monde. N'ont pas trop eu raison de votre attaque. C'était ta faute, c'est toi qui l'as trouvé. C'est toi qui as lu les mots, c'est de ta faute.
C'est toi qui m'as traité de poule mouillée parce que je ne voulais pas le lire. Oui, mais c'est toi qui as... Hé, regarde. Bonjour, bonjour, bonjour. Dites-moi, ça vous dirait de gagner un peu d'argent supplémentaire en débarrassant ces terres des criminels et monstres déchaînés qui sèment le chaos? Votre mission sera de faire respecter la loi et de protéger vos chers concitoyens. Qu'en pensez-vous? Il faut vous aider. Merci. On a lu à haute voix ce livre. Ne les laissez surtout pas filer. N'oublie pas, c'est toi qui l'as trouvé. Et c'est le problème, toi qui l'as c'est qu'on a bon, on s'en fiche, le problème c'est des hommes creux. Quelques centaines. Et ils ont pris le livre. Nous maîtrisons la situation. Parce que tu l'as laissé tomber, pauvre andouille. On a besoin de vous ailleurs. Tu dois nettoyer le cimetière pour qu'on récupère le livre. Et dire que j'ai attendu assis là à rien faire pendant... Tu dois nettoyer le cimetière pour qu'on récupère le livre. Thank you.
pitié, viande. Très, très faim. Moi, un homme, longtemps avant, mangeais viande, beaucoup viande. Puis, porte démoniaque, fini viande, juste très faim. Pitié, vouloir viande, viande. Viande bonne, mais viande maigre. Vouloir viande grasse, viande vivante. Oh. Bon, à quelle page se trouve le contresort? Ah, le voilà. Tantir, Barada, Kanda! Mukluk! Quoi? Ça, c'est du beau travail. Et attention, voici votre récompense. Tu n'es pas d'ici. Je ne vois pas parler aux étrangers.